I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't... Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage avec Sagesse Universelle. Je vais tirer trois cartes. Et maintenant, je vous laisse méditer quelques instants sur les cartes et faire votre choix. Découvrons ensemble les cartes. La première carte, c'est Libération. La deuxième carte, Cœur rêveur. Et la dernière carte, qui est la troisième carte, Souvenir d'or. Libération. Il est temps de vous libérer d'un attachement persistant avec une personne qui vous a blessé par le passé. Même si vous n'êtes plus en contact, elle continue à vous faire souffrir, car vous continuez à lui donner du pouvoir par vos pensées. Un attachement énergétique existe toujours. Au niveau de la conscience, vous devez croire que vous avez déjà travaillé sur ce problème. Au niveau du ressenti du cœur, vous portez toujours cette blessure. Le processus de guérison comporte plusieurs étapes. La première consiste à comprendre pourquoi il est important de lâcher prise. Vous le faites pour vous. En vous libérant de ce problème, vous ne cautionnez pas les actes ou le comportement de cette personne, mais vous choisissez en conscience de ne plus être la victime de ses actions passées. En conservant cette blessure dans votre cœur, vous autorisez cette personne à opérer une emprise sur vous. Ce rituel va vous aider à pardonner et vous libérer des liens négatifs persistants. Vous pouvez réaliser ce rituel ou chercher de l'aide auprès d'un thérapeute énergétique qui connaît bien ce genre de travail. Il existe également de nombreux livres sur ce sujet. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et imaginez la personne dont vous souhaitez vous détacher. Visualisez-vous avec elle entourée d'une lumière blanche. Invoquez l'énergie et la présence de l'archange Michael. Imaginez-vous connecté avec l'autre personne par un cordon de lumière bleue, représentant l'attachement négatif que vous voulez rompre. Maintenant, imaginez le cordon bleu coupé par une épée de lumière bleue, tenue par l'archange Michael. Au moment où ils se rompent, imaginez l'autre personne sortie de votre vie, portée dans les bras de Dieu, et sentez-vous inspirée et protégée par la lumière et par l'amour. Remerciez l'archange Michael pour son amour et pour son aide. Cœur rêveur. Félicitations, vous avez un grand cœur et cela a un impact positif sur tout ce qui vous entoure. Vous êtes un guérisseur né. Car vous possédez beaucoup d'amour dans votre cœur et votre énergie d'amour est ressentie par le plus grand nombre sur la terre. Vos anges et vos guides veulent que vous sachiez que votre amour est inestimable en ce moment pour la terre et pour votre entourage. Ils comprennent que parfois, vous avez l'impression que votre travail n'est pas remarqué, que vous vous demandez peut-être s'il y a un effet ou non. Même si vous ne voyez pas toujours les résultats positifs que votre amour et votre encouragement ont sur les autres, s'il vous plaît, soyez assurés de leurs bienfaits. Chaque fois que vous offrez de l'amour aux autres, que ce soit à travers un geste, une pensée ou un mot, vous plantez la graine de l'amour dans cette personne. Libre à elle de la laisser dormir pendant un moment ou de la faire pousser. Le rythme de chacun est unique. Mais rassurez-vous, chaque chose que vous faites a un effet, qu'il soit visible ou non. L'amour appelle l'amour. Ayez confiance, enfant chéri, ayez confiance en l'amour que nous avons pour vous et en l'amour que vous avez pour les autres. Vous allez recevoir un message positif dans les jours à venir de la part de quelqu'un que vous avez aidé récemment. Prenez cela comme la confirmation la plus irréfutable de ce que nous avons dit et souvenez-vous-en la prochaine fois que vous douterez de vous-même. Souvenir d'or. Tout ce qui se manifeste dans votre vie et dans le monde autour de vous a une raison d'être positif. Il existe une raison supérieure, un sens profond à tous les événements de la vie.
Visualisez la paix et l'amour au cours de vos méditations et de vos prières. Il faut conserver la foi, même si parfois vous ne pouvez pas donner de sens à ce qui se passe. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour, car c'est seulement à travers l'amour que la paix se manifestera un jour. L'amorosité de notre monde actuel fait partie du processus de nettoyage de l'humanité. Tant que la haine et la peur remonteront à la surface, elles se libéreront et se transformeront. Nous avons sans cesse des opportunités de guérir. Sachez que vous êtes en sécurité, enlacés par les bras de l'amour. Vous faites partie de l'esprit éternel qui ne peut être jamais détruit. Tout est contenu dans les mains aimantes de Dieu ou de la déesse, pour toujours, tout ce qui est. La tempête actuelle va se calmer et révéler la lumière qui brille dans chaque cœur. Vous pouvez être une grande assistance pour votre entourage en gardant la foi et en restant positif en ce qui concerne l'avenir de la planète. Ayez confiance, car tout est exactement comme il doit être. Voilà pour ce qui est de ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt. I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery.